Bonsoir à tous, merci d'être nombreux ce soir pour ce cycle Édouard Glissant, Réel et Utopie. Nous fêtons ici à la BPI aussi les 90 ans de la naissance d'Édouard Glissant. Nous terminons ce cycle ce soir en beauté, si je puis dire, puisque nous allons parler, après avoir parlé de philosophie de la relation et de philosophie de l'identité, ce soir nous allons parler de philosophie esthétique d'Édouard Glissant. Je remercie bien sûr François Noudelman qui va animer cette séance ce soir, ainsi que nos trois intervenants que François va vous présenter. Et donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Sébastien Godelus pour cette organisation et cette troisième donc séance consacrée à Édouard Glissant, le réel et l'utopie. Et après avoir parlé dans la première séance de philosophie, dans la deuxième de politique sur les questions d'identité, nous allons aborder un troisième versant qui n'est pas le troisième et terminal, hein, comme dans une espèce de synthèse de dissertation, mais une possibilité de discuter d'un aspect d'Édouard Glissant qui est sa relation aux arts et à l'esthétique. Alors, pour aborder ce sujet qui est très, très vaste, trois invités ce soir, Zahia Rahmani, qui est écrivaine, historienne de l'art et qui est responsable à l'INHA de la recherche sur une histoire de l'art mondialisée. Yann Thomas, qui est artiste et qui est aussi professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Anne Lafont, qui est historienne de l'art et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, ce soir, en fait, ces trois invités vont parler d'Édouard Glissant aujourd'hui, c'est-à-dire du rôle qu'il peut jouer par sa réflexion, par son œuvre, ses textes, sur à la fois l'art, l'histoire de l'art, la réflexion esthétique. Chacune va parler une dizaine de minutes, et puis on débattra ensemble et puis avec vous. Du coup, je crois qu'il est nécessaire de rappeler un petit peu, de manière peut-être un peu didactique et biographique, la relation d'Édouard Glissant dans sa vie à l'art et aux artistes. Donc je vais faire ce petit rappel avant qu'on soit au cœur du contemporain, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de terminer sur un Glissant contemporain, hein, Glissant aujourd'hui. Alors je voudrais quand même rappeler que la relation d'Édouard Glissant à l'art s'est faite d'abord par la rencontre d'artistes. Bien sûr, il y a la culture scolaire et l'enseignement de l'art, mais qui tenait à l'époque une place sans doute assez modeste dans les humanités. Mais c'est une rencontre d'artistes. Édouard Glissant, toute sa vie, a été en relation avec de très nombreux artistes, relations d'amitié, relations de travail aussi. Alors, je vais en citer quelques-uns pour vous montrer un peu le spectre assez large de ces relations. D'abord, il faut noter, c'est assez surprenant, mais que lorsqu'il avait l'âge à peu près 13-14 ans, en Martinique, Édouard Glissant a eu l'occasion de rencontrer André Breton. André Breton, c'était pendant la guerre. André Breton était sur le chemin des États-Unis et il s'est arrêté de force d'ailleurs en Martinique avant de pouvoir rejoindre les États-Unis, New York. Et il a été ensuite rejoint aussi par, par notamment Claude Lévi-Strauss, mais aussi André Masson. Alors, si André Masson et Breton ont cette importance-là, c'est que, évidemment, c'est toute l'influence du surréalisme. Et les premiers textes d'Édouard Glissant sont très influencés poétiquement par le surréalisme. Il est dans l'ambiance, comme beaucoup, hein, du surréalisme. Et c'est après-guerre, toute une génération de poètes à laquelle il appartient qui s'inspire et en même temps tente de trouver ses propres marques pour peu à peu s'affranchir du surréalisme. Mais donc il y a cette première relation avec Breton et puis avec d'autres artistes. Alors si j'essaye géographiquement de dresser un peu la carte, il y a des artistes caribéens,
Hein. Bon, l'un des plus connus, évidemment, c'est Wilfredo Lam. Édouard Glissant a continuellement écrit sur Wilfredo Lam, comme d'ailleurs Aimé Césaire, qui était très proche de Wilfredo Lam. Et notamment un tableau que Édouard Glissant a très souvent commenté, auquel il a fait souvent référence, c'est La Jungle, et qu'on a pu voir d'ailleurs à Beaubourg, ici, au Centre Pompidou, il n'y a pas si longtemps, dans une exposition dont Catherine David avait fait le commissariat, donc des œuvres de Wilfredo Lam. Et puis, j'en cite quelques-uns seulement, parce qu'il y a un nombre quand même très conséquent, mais on peut évidemment citer aussi Cardenas, parmi ses fréquentations donc d'artistes cubains, mais aussi haïtiens et évidemment aussi martiniquais. Dans les rencontres qu'il a faites, il faut mentionner assez tôt, c'est-à-dire dans les années 50, un groupe d'artistes italiens qui furent ses amis très proches. C'est à l'occasion de voyages aussi, de vacances, où il fréquentait des artistes tels que Peverelli, les frères Sommaré, et quelqu'un qui était encore très jeune à l'époque, plus jeune que les autres, c'est Valerio Adami. Valerio Adami qui donc a continué cette relation d'amitié avec Édouard Glissant très 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 longtemps, jusqu'à la fin de la vie d'Édouard Glissant, puisqu'il organisait des rencontres en Italie à son institut de dessin du côté de Milan, mais aussi sur le lac de Garde, bon, donc, où Glissant se rendait régulièrement pour discuter avec d'autres penseurs. Les dernières rencontres, par exemple, avaient eu lieu avec Glissant et puis aussi Jacques Derrida, Michel Deguy, tout ça autour de Valerio Adami. Alors, l'autre aussi groupe d'artistes qu'il faut citer, c'est évidemment les artistes d'Amérique latine. On peut citer Antonio Segui, mais aussi quelqu'un qui a une très grande importance dans la relation à l'art et à la peinture pour Édouard Glissant, c'est Roberto Matta. Matta qui, d'ailleurs, comme d'autres artistes, a été investi dans l'Institut martiniquais d'études, où cet institut que Édouard Glissant a créé en Martinique lors de son retour, à la fin des années 60, 65, 67, donc la création de cet institut, et où les artistes non seulement donnaient des cours, mais faisaient des expositions, et puis aussi faisaient des peintures ou des sculptures des portes de l'Institut martiniquais d'études. C'est une sorte d'abbaye de Thélème assez extraordinaire, et qui était aussi une expérience artistique. Alors, je crois qu'il faut citer aussi non seulement les artistes, les peintres. Je fais une parenthèse d'ailleurs. Là, je suis avec des personnes qui sont surtout du côté du visuel. Mais il faudrait quand même citer d'autres arts. Hein. Ce ne sera pas le sujet ce soir, mais il faudrait citer la musique. Hein. Et pas seulement le jazz, parce que c'est trop évident, mais aussi la musique classique, et puis aussi les relations d'Édouard Glissant avec des musiciens qui lui ont permis aussi d'inventer des formes poético-musicales, des chaosmos, des chaos opéras à la fin de sa vie. Mais bon, ce soir, ça sera quand même surtout les arts visuels qui seront à l'honneur, sauf si vous souhaitez aborder d'autres questions. Non. Mais on pourrait mettre aussi, après tout, la littérature dans les arts. Hein, mais on verra. N'anticipons pas. Je voudrais quand même dire qu'à côté des artistes, ou avec les artistes plutôt, il y a aussi des galeristes qui jouent un rôle très important. Hein. Il faut signaler, par exemple, le nom de Max Clarax-Serrou, qui a tenu une galerie avec Cécilia Ayala, qui s'appelle la Galerie du Dragon, hein, qui a joué un rôle très important, qui était rue du Dragon, dans le 6e arrondissement de Paris, et qui était un lieu où se sont rencontrés des écrivains, Michaud, Butor fréquentaient la galerie, Gerasim Luca, et puis de nombreux artistes, soit latino-américains, parce que
donc la directrice de la galerie était vénézuélienne, et des artistes latino-américains, même Mata notamment, et puis des artistes caribéens. Ça a été donc un lieu de rencontre et où s'est instaurée une relation créatrice, on peut dire, où des écrivains préfaçaient par exemple les catalogues des expositions des peintres, où des peintres illustraient des recueils poétiques d'écrivains. Donc, vous voyez, c'était un jeu d'aller-retour qui est assez classique, somme toute, mais qui a été très important. N'oublions pas que c'est quand même dans cette petite maison d'édition que Édouard Glisson a commencé à publier son premier recueil poétique, et avec des illustrations donc de peintres que choisissait, que proposait Max Clarac-Sérou. Aux galeristes, il faut aussi associer les commissaires d'exposition. Hein, et Édouard Glisson aussi a eu des relations assez fortes avec par exemple, Jean-Hubert Martin, hein, dont il avait apprécié une exposition qui avait fait événement, Les magiciens de la Terre. Des relations aussi plus récentes avec Hans Ulrich Obrist, qui notamment l'avait fait venir à la Biennale de Venise en 2003, pour justement le mettre dans le bain de l'art contemporain. Ça sera, je pense, peut-être une discussion qu'on aura pour savoir quel est le lien au-delà du cercle d'amis, enfin des cercles, parce qu'il y a plusieurs cercles d'amis artistes d'Édouard Glisson, pour interroger Édouard Glisson contemporain et l'art contemporain. Je voudrais terminer quand même ce petit rappel un peu didactique en disant que Édouard Glisson aussi lui-même avait l'intention de jouer le rôle un peu de passeur, de commissaire d'exposition, voire peut-être de directeur de musée, et qu'il a eu très longtemps l'ambition de créer un musée, le M2A2, donc musée martiniquais des arts des Amériques, hein, M2A2, et que ce fut quand même une certaine déception pour lui de ne pas arriver à trouver localement au Lamentin, enfin en Martinique, véritablement un soutien politique pour créer cette institution ou ce musée, et qui finalement s'est réalisé plus ou moins sous la forme de musée nomade, puisque Édouard Glisson a organisé de temps en temps des expositions avec tous ses artistes amis et nombreux, donc sur différents territoires, différents lieux nomades. Je vais arrêter de parler, laisser la parole à mes invités, en quand même signalant que la relation aux artistes et à l'art et à la peinture, elle s'est aussi inscrite dans la réflexion d'Édouard Glisson. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement fait des préfaces à des catalogues, il n'a pas seulement commenté des œuvres, mais il a aussi développé une réflexion qu'on peut appeler esthétique. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que dans les derniers ouvrages, les derniers essais qu'il a écrits, il a écrit des essais de poétique, très nombreux, et puis sur la fin, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Une nouvelle région du monde » et qui est sous-titré non plus poétique 1, 2, 3, 4, esthétique 1, qui laissait présager un esthétique 2. Bon, ensuite, ça a été un autre ouvrage qui s'est appelé « Philosophie de la relation ». Mais quand même, c'est intéressant qu'il ait éprouvé le besoin de s'inscrire dans une sorte de discipline malgré tout, hein, qui s'appelle l'esthétique. Il revendiquait ce mot-là, alors à sa manière bien sûr, hein, c'est comme sa manière de faire de la philosophie n'est sans doute pas très orthodoxe, et sa manière de faire l'esthétique non plus, mais il faut signaler en tout cas qu'il a développé une réflexion sur, on en parlera peut-être, sur le beau et la beauté. On entendra peut-être un extrait, si on a le temps tout à l'heure, d'Édouard Glisson parlant du beau et de la distinction qu'il fait entre beau et beauté, ou aussi il parle de l'utopie, du lien entre l'art et l'utopie. On avait un séminaire cet après-midi qu'on a fait au Jardin du Luxembourg, parce qu'on ne pouvait pas entrer au Panthéon, au Centre Panthéon.
Agnès Sorbonne-Importeon, qui était bloquée par les CRS. Et donc, on a parlé de l'art et l'utopie. Et la réflexion d'Edouard Glissant est assez originale de ce point de vue-là, avec quelques philosophes qui font encore référence à la notion d'utopie, Miguel Amasour, par exemple. Mais c'est aussi une originalité de cette réflexion qui fait que, comme le titre que j'avais proposé à Sébastien Godus le rappelle, Glissant est entre le réel et l'utopie. C'est-à-dire une analyse du monde tel qu'il est, un rapport au monde qui est un rapport de déchiffrement. Il s'agit de savoir lire le monde, de savoir le voir, de savoir l'écouter, de comprendre comment on accède à un sens du monde qui n'est pas donné d'emblée. Et puis, il s'agit aussi, donc ça c'est le réel à déchiffrer. Et puis, il y a aussi l'utopie, c'est-à-dire une ligne à tracer, parce que son livre d'esthétique s'appelle Une nouvelle région du monde, et région, ça vient de regio en latin, qui signifie une direction. Donc il y a l'idée quand même d'une, même si ce n'est pas évidemment un plan tracé sur ce que doit devenir l'art dans le futur, mais il y a quand même l'idée de, vous voyez, d'orienter, de penser vers quoi l'art peut aller, vers une certaine appréhension de la beauté du monde, ce qu'il a développé dans ce texte. Donc, l'art, les artistes, mais aussi la réflexion esthétique sont une dimension très importante de l'œuvre d'Edouard Glissant, qui, comme on l'a vu, s'intéresse bien sûr aux questions philosophiques, aux questions politiques, aux questions anthropologiques, mais c'est un moment très fort, toute sa vie, une continuité de sa réflexion, de s'intéresser à l'art, aux artistes et à l'esthétique. Alors, j'ai assez parlé, j'espère en tout cas vous avoir donné aussi envie d'aller découvrir ces textes, et on va parler de, ben, peut-être pour chacune et chacun, de ce qu'a été peut-être la rencontre d'Edouard Glissant, in vivo ou bien à travers son œuvre, et quelle peut être aujourd'hui même, l'influence ou les modifications que peut donner cette réflexion. Alors, Zahia Rahmani va nous parler sans doute ces journées d'études qu'elle avait organisées à l'INHA en 2007, et puis du rôle aussi d'Edouard Glissant par rapport aux revues, parce que là aussi c'est quelque chose d'important chez Edouard Glissant, c'est l'importance, c'est le rôle que jouent les revues anthropologiques, revues politiques, mais aussi revues qui traitent de l'art. Donc, Zahia Rahmani. Merci de me passer la parole, et je ne vous vois pas très bien, mais j'aimerais juste rappeler ce qui me vaut d'être ici, en fait, d'une certaine manière. C'est aussi un lien un peu spécifique qui s'est tissé à l'Institut national d'histoire de l'art autour d'Edouard Glissant. Alors, nous avions, avec Patricia Falguer, imaginé une journée d'études à l'initiative aussi d'Alain Ménil, qui est malheureusement mort, qui a disparu et qui a produit cet ouvrage qui s'intitule « Les voies de la créolisation ». Un excellent livre. Consacré à Edouard Glissant. Et j'avais aussi consacré une rencontre à ce livre, à cet ouvrage d'Alain. Il avait été publié en 2011 et nous avions fait en janvier 2012 une rencontre assez conséquente et importante sur cette question. Alors, en 2007, qu'est-ce qui fait que l'Institut national d'histoire de l'art, moi j'y suis depuis 2 ans, hein, j'y suis un peu depuis 2004-2005, il me paraît essentiel, évident, qu'il y a dans cet espace-là, c'est-à-dire ce qu'on nommerait un espace dévolu à la pensée du visuel, la nécessité d'appréhender cette œuvre, tout en évitant évidemment la manière dont on tenterait de vouloir appliquer des notions qui ont couru autour de ce travail. Aujourd'hui, on essaye d'y voir un peu plus clair, mais il y a une terminologie, le métissage, le multiculturalisme, qui arrivait dans l'accompagnement des cultural studies et des post-colonial studies. Il nous paraissait important de consacrer une journée à cette clarification en la présence d'Edouard Glissant. C'est ce qui avait été aussi remarquable, puisqu'il avait participé de la programmation. Alors, maintenant, j'aimerais juste rappeler 2 choses. Comment je suis, moi, venue à cette œuvre? Parce que c'est important de pouvoir aussi le dire d'un point de vue biographique. C'est un peu l'éthique des post-colonial studies en général. C'est qu'on n'y vient pas par hasard non plus. Au début des années 90, j'avais une amie, qui est toujours mon amie, Tiffaine Samoyo, qui travaillait sur l'idée du roman monde, hein, de la littérature, non pas totalisante, mais la totalité
l'idée du roman monde qui prend en compte la totalité en littérature. Ça, c'était début des années 90. J'étais à l'époque à la Galerie nationale du Jeu de Paume et avait eu lieu, vous venez de le dire, à Paris, en 1989, l'exposition Les magiciens de la Terre. Mais ça suscitera peut-être débat, ce que je vais dire. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on puisse faire un parallèle aisé entre l'exposition et ce que, d'une certaine manière, Édouard Glissant nous a proposé comme outil pour pouvoir aussi s'émanciper un peu, hein, de ce que cette exposition, d'une certaine manière, a fabriqué dans le rapport à l'authenticité des artistes qui étaient convoqués, hein, leur rapport à l'authenticité. Alors j'aimerais juste dire une chose très importante, c'est qu'il me semble que s'il y a une force chez Glissant, et d'un point de vue biographique, je vais la redire, c'est la manière dont il nous a appris à déjouer les assignations. Je vais le dire d'emblée de cette manière, et c'est peut-être pour cela qu'en fait, en 2007, on fait cette journée. Et dans cette journée, il y a un moment qui est consacré aux revues, à sa demande, et ce moment s'appellera le Carrefour antillais, et pas le discours antillais, mais on voit très très bien ce que ça signifie. Hein. Et là a été convoqué donc, un moment dédié aux revues, et évidemment un moment dédié à la revue Acoma, dont je rappelle que les 5 numéros de cette revue qui ont été publiés de 1971 à 1973 ont donné lieu à une réédition en 2005 en un seul volume. Et c'est assez édifiant de voir quels sont les sommaires, comment sont les sommaires de cette revue, ce que cette revue aborde et appréhende. À ce moment-là, il m'apparaît évident que derrière ce que ce Carrefour antillais nous proposait, il y avait à lire et appréhender des luttes qui excédaient le seul territoire antillais. Ce que je comprenais avec Glissant, c'est que ce qui était convoqué dans ce travail des revues est quelque chose qui se connectait à beaucoup d'autres discours et critiques et dynamiques qu'on pouvait croiser à d'autres endroits du monde. Voilà. Donc c'est la seule, comment je pourrais amener la raison pour laquelle j'ai été convoqué par cette œuvre. Et aussi, très important, en France, dans un pays où la structure ne cesse de produire de l'assignation, je trouve que c'est un outil excessivement émancipateur, et pour les artistes eux-mêmes. Le seul danger, et ça on va en parler tout à l'heure, il me semble, c'est que même si Glissant a produit ce que vous nommez une esthétique, mais dans le même temps qu'il produit une esthétique, il produit une œuvre. Il faut comprendre aussi que son esthétique, c'est sa langue. Quand on lit Esthétique 1, on lit une certaine prose, une certaine manière de dire la langue, de dire la pensée. On est dans une œuvre, d'ailleurs c'est un défi à la bibliothèque, Édouard Glissant. C'est difficile de savoir l'endroit où vous allez pouvoir le classer. Et juste pour conclure, j'aimerais juste dire que d'un point de vue strictement biographique, je reviens là-dessus, c'est un outil politique. Mais il faut savoir s'en saisir comme quelque chose qui a une part d'opacité. Et elle est très importante, cette part d'opacité, on va y revenir. On ne peut pas déplier dans la transparence cette œuvre, parce qu'elle résiste à plein d'endroits, et c'est ça qui fait sa force esthétique, et c'est ça qui est un outil majeur pour nous. Ce n'est surtout pas de le coller à un modèle anthropologique. Voilà, je termine là. Merci pour ces très importantes suggestions. Je ne sais pas si vous voulez tout de suite réagir, ou si on se réserve le débat. Anne Lafont peut-être veut réagir à cette suggestion. C'est vrai micro. Que je suis tout à fait sensible. Chacun son micro. Ah pardon, excuse-moi. Merci, François, merci. Oui, non, je relève peut-être la dernière chose. Je trouve que ça serait intéressant quand même de revenir sur cette question des revues et de voir comment elles ont travaillé autrement et dans une prise encore plus directe, justement, toute la pensée politique de ces années-là, en fin de compte. Et puis la deuxième chose que je trouve très, très juste et qui, moi, m'a été utile, et j'essaierai d'en parler aussi un peu plus tard en faisant cette petite présentation, c'est la question, justement, de ne pas travailler avec les invariants. Ce que tu dis sur la question anthropologique,
anthropologique. Et je dois dire que ça a été une avenue pour l'histoire de l'art pendant un temps de se caler sur le modèle anthropologique pour renouveler les discours sur l'art. Et précisément, c'est de revenir avec Glissant sur le particulier qui est très intéressant, je trouve. Et ce que tu dis justement de ne pas chercher finalement des schémas globalisants, totalisants, mais dans le sens fixe, c'est exactement la chose que j'ai trouvée particulière et qui, venant moi en tout cas d'un environnement très sciences sociales, c'est de pouvoir garder la spécificité qui est celle d'un rapport à l'art où on ne veut pas arriver à la généralisation par l'invariant. Et je trouvais, donc là je me permets d'anticiper un petit peu sur ce que je veux dire plus tard, tout à fait juste cette alternative d'un rapport à l'autre qui ne serait pas pensé par l'invariant anthropologique. Je trouve ça tout à fait juste, en tout cas dans le rapport aux œuvres d'art. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser ce que c'est qu'un invariant anthropologique ? Un invariant, oui, ben ce serait des grands schémas qu'on peut décliner dans toutes sortes de contextes, quoi. Donc, je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Oui, non, mais c'est très bien, je pense. D'accord, c'est plus précis. C'est un peu formaliste, enfin, oui. Comprendre les sociétés de par le monde autour de schémas stricts ou fixes qu'on peut, comme ça... D'accord. Alors, on va entendre maintenant la parole d'un artiste et qui est aussi un témoin parce qu'il a eu une relation forte, on peut dire, à Édouard Glissant. Une rencontre à partir de son travail, de son entreprise, il va peut-être en parler, West Lumière, et où Édouard Glissant a joué un rôle puisqu'il est devenu un des directeurs de cette entreprise West Lumière, avec un titre même, puisque c'était le grand magnat des imprévus, n'est-ce pas ? Je crois que Yann Thomas va parler peut-être de sa rencontre, en tout cas de... Et c'est ça qui est très important aujourd'hui, du lien d'Édouard Glissant à l'art contemporain et à son propre travail, ce que Édouard Glissant appelle une relation. Alors, merci François. En fait, je vais essayer de partir également du particulier, évidemment, puisque je vais convoquer un petit peu ce qui nous a, à un moment donné, réunis et ce qu'on a pu partager. Ce qui était intéressant, je trouve, en tout cas quand j'étais étudiant, jeune artiste, c'est que j'étais déjà... Je lisais certains ouvrages, j'ai croisé la pensée d'Édouard Glissant, mais à partir du moment où je l'ai rencontré, j'ai entendu sa voix quand je le lisais. Et notamment pour l'intraitable Beauté du monde et sa lettre, l'adresse à Barack Obama, ou bien ensuite, évidemment, l'anthologie La poésie du tout monde, les choses ont vraiment été différentes. Parce que la terre, le feu, l'eau et le vent, je ne les appréhendais pas de la même manière. Je les appréhendais après, finalement, avoir été traversé par aussi l'individu. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand on arrive à vivre une expérience qui finalement vous traverse ne va pas vous reformater, mais en tout cas va vous désorienter d'une telle manière que finalement cette désorientation va être la possibilité pour vous reformuler quelque chose ou de formuler quelque chose qui ne serait pas advenu autrement. Et donc, je vais revenir, mais très rapidement, parce que le temps est compté, mais par rapport à cette expérience de West Lumière, à partir du moment où il y a eu cette rencontre avec Édouard, les choses ont été différentes sur plusieurs facettes. Alors, il y a eu, évidemment, la rencontre qui est celle d'une réflexion autour de West Lumière. Oui. Je voudrais préciser, pardon Yann d'interrompre, mais que c'était quand même pas évident parce que la relation d'Édouard Glissant était plutôt à des œuvres de peinture vraiment très, 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 je ne sais pas dire ce que ça veut dire traditionnel, mais bon, peinture, comme on disait, voilà. Oui. Et là, tout d'un coup, il rencontre quelqu'un qui n'est pas du tout, qui est plutôt dans l'installation, dans le projet, dans un travail relationnel qui n'a rien à voir avec un travail, entre guillemets, plastique, quoi. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu le temps de lui expliquer les origines même de ce travail, qui était la rencontre de cette usine, qui était une usine en voie de destruction. Et pendant 3 ans, donc le fait d'avoir vécu cette disparition de ce lieu de travail et d'y avoir découvert dans les souterrains et dans les greniers, et notamment dans une salle qui était murée depuis les années 30, les actions aux porteurs de l'ancienne West Lumière, qui était l'ancêtre d'EDF, nationalisé en 1946. Et il y avait Nord Lumière, Est Lumière, Sud Lumière et West Lumière.
Et ce nom de West Lumière l'avait beaucoup intéressé. Et donc, lors d'un entretien qu'on a eu ensemble, il m'a donné quelques pistes. Alors, je vous les livre. Je ne les ai jamais partagées auparavant, donc je vous les lis rapidement. « De quel West parle-t-on ?» dit le grand magnat des imprévus. « Est-ce qu'être à l'Ouest, ce n'est pas aussi être en Occident ? Et si on est en Occident, est-ce qu'il est concevable de déclarer qu'on est aussi en Orient, c'est-à-dire qu'on s'oriente ? Il me semble que c'est important. On peut être désorienté à l'Ouest, mais on peut être aussi dans une lumière d'Ouest qui lève à l'Orient. Après réflexion, il me semble que West Lumière est une très bonne, pas seulement dénomination, mais orientation. Mais après qu'on ait fait la lumière sur la caractéristique Ouest, pour que les fraudeurs possibles à l'encontre de West Lumière n'aient pas l'occasion de dire que l'orientation n'est pas lumineuse. L'Ouest, tel que je la conçois, dans la formulation West Lumière, c'est l'en avant, qui n'est pas forcément l'ailleurs. Ce peut être le mouvement en soi, il peut y avoir des mouvements immobiles qui sont prodigieux. Ce que le grand magnat des imprévus signalait, c'est que la notion d'Ouest, dans Ouest Lumière, était liée à une notion de production de lumière. Il faudrait peut-être la rattacher à une notion de production et de jouissance de lumière, en même temps. La jouissance peut être associée à la distribution de lumière, qui n'a pas comme vocation la consommation de la lumière. Elle a pour vocation la jouissance de la lumière, ce qui n'est pas la même chose. En Ouest Lumière, ce voyage se déroule en Ouest Lumière. Pas à l'Ouest, pas à Ouest Lumière. Parce que à Ouest Lumière a une connotation de colonisation, de projection en flèche. Tandis que en Ouest Lumière a une connotation de participation. Et par conséquent de plaisir. Ouest Lumière peut favoriser la sublimation pour tous, à condition qu'on n'essaie pas de la redéfinir, de la définir. La seule condition est une non-définition. Toute définition est une limitation. Il me semble qu'une des vocations de West Lumière, c'est d'aller outre toute limitation possible. Voilà, alors, donc je trouve que ça rejoint tout à fait ton propos tout à l'heure sur cette nouvelle région du monde. Et cette direction qui finalement n'en serait pas une. Et donc, ça rejoignait en tout cas, cette déclaration rejoignait tout à fait la relation que j'avais pu avoir avec le déroulement de ce travail au fil des années. Et en même temps, cela m'amenait à réfléchir à des situations bien concrètes. Lorsque j'arrive à New York en 2007, et que je suis intégré comme artiste observateur dans l'ONU, j'ai une discussion avec Edouard, et je y trouve beaucoup de motivation. Parce que Edouard me dit, d'une part parce qu'il avait eu évidemment cette expérience de l'UNESCO, et qu'il avait dirigé cette revue à l'UNESCO, et qu'il avait eu donc aussi cette relation avec l'institution de l'UNESCO. Le courrier de l'UNESCO, je rappelle, hein, et pour revenir à ce qu'a dit Zahir Hamani, a un rôle très important pour faire des numéros où il intégrait très souvent les artistes, hein, et il leur consacrait aussi parfois des numéros. Et alors donc, je lui pose la question, écoutez Edouard, j'ai beaucoup d'intuition, je pense évidemment à Romain Gary, à l'homme à la colombe, à ce jeune homme qui se retrouve dans les assemblées générales de l'ONU et qui finalement assiste à des prises de décision et finalement qui n'ont pas d'incidence sur le terrain. On le voit bien aujourd'hui par rapport à l'ONU toujours, bon, c'est vœux pieux finalement. Et en même temps, donc, il y avait cette relation où l'artiste avait quelque chose à faire dans ce lieu, et c'est ce qu'il m'a vraiment motivé à faire, c'est-à-dire donc d'y aller et de m'imprégner de cette relation aux événements que je peux vivre, même toujours au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, à l'Écosoc, dans les couloirs, à observer ce théâtre politique.
et finalement que tout cela pouvait avoir une incidence. Alors je le montre rapidement parce qu'on avait prévu un PowerPoint, mais voilà, donc West Lumière au début, avant de connaître cette relation avec West, avec Edouard, donc là vous avez des vues de l'ancienne West Lumière, c'était donc une relation à l'organigramme, à une pensée finalement très programmatique qui m'amenait à singer d'une certaine manière dans les différents protocoles proposés, les aberrations du monde. Et à partir du moment où je me suis mis à vivre cette démesure de la démesure qu'est, là je reprends le schéma qui est reporté dans l'anthologie du tout-monde, justement que je vous recommande le texte préliminaire du livre, eh bien quand je me suis mis à penser le tout-monde dans cet espace de démesure, la démesure, j'y ai retrouvé des connexions très claires avec Nikola Tesla, l'élément, finalement, cette démesure que je trouvais même dans les écrits de Mesmer, et donc tout ce magnétisme animal qu'il me fallait éprouver dans un terrain diplomatique concret. Et donc ça a été l'occasion pour moi de faire émerger, grâce à ces discussions, des œuvres comme Dynamo Fukushima. Alors là, vous me voyez en condition à l'Écosoc. L'idée, c'était que finalement, Edouard m'avait engagé à le faire aussi, c'était d'aller m'immerger dans certaines situations. Donc par exemple, vous avez ici la tribune de l'Écosoc, et je me retrouve, je vois qu'il y a un siège qui est vide, et je vais m'asseoir à la tribune de l'Écosoc, et je prends donc les dossiers, comme si j'allais intervenir auprès des diplomates qui sont présents, et donc il a fallu 10 minutes pour la sécurité de se rendre compte que je n'étais pas l'intervenant donc, qui était prévu. Enfin, ce sont des situations comme ça, et puis évidemment, avec ma pratique de l'institution, puisque comme tu le notais, je suis aussi un prof d'université, j'ai trouvé une sortie pour pouvoir dire « Ah oui, je m'étais trompé de salle. » Ah bah oui, non, c'est pas cette salle-là. » Et voilà. Et alors finalement, j'avais un complice qui était une personne, un diplomate également. Et donc c'était très intéressant de voir comment, quelles étaient les limites de la relation à l'institution. Et donc quand je suis revenu, après toutes ces discussions à Paris, au moment de Fukushima, eh bien, la réalisation de Dynamo Fukushima s'est imposée. C'est-à-dire que, et malheureusement, c'était... Edouard n'a pas pu vivre cette pièce de la manière où on aurait dû la vivre, mais 24 000 personnes ont pédalé pour les enfants de Fukushima dans le Grand Palais. On s'était tous mis en cercle. Il y avait cette relation avec l'association japonaise et cette relation aussi aux ONG donc, qui entouraient le dispositif. Et toutes les personnes qui pédalaient, donc les 24 000 personnes qui sont succédées, achetaient des produits dérivés de ces ONG. Cet argent était investi dans l'ouest du Japon pour acheter des fruits dans un programme qui s'appelle Ringono. Et ces fruits étaient après distribués aux enfants de Fukushima, car dans ces fruits, il y a des molécules qui font régresser le césium-137, notamment dans le corps des enfants. Et donc c'était l'idée, en tout cas, de revenir de l'ONU avec ce genre de proposition. Et ça n'aurait pas eu lieu sans la rencontre avec Edouard Glissant. Alors, je montre rapidement peut-être là une autre œuvre qui n'aurait pas eu lieu sans le concours d'Edouard. C'est le village des imaginaires circulaires. Donc ça, c'était un travail qui était lié à la Tour Eiffel. Donc vous avez, lors de la COP21, il y a eu cette œuvre qui a été réalisée, qui était connectée à 80 millions de runners. Donc ces runners envoyaient à travers une application qui s'appelle Runtastic, des calories, donc leurs calories et les chiffres de leurs calories, et implémentaient la Tour Eiffel. Et parallèlement, vous aviez donc des mathématiciens qui captaient à travers un programme bien précis les mots-clés de la COP21. Et nous avons donc pu mettre au premier étage de la COP21 le 1.5 degrees, qui a été, dès le lendemain, a fait la première page du New York Times, et qui est revenu ensuite à travers un journal dans le cadre des négociations. Et donc je dirais que ce genre d'œuvre, qui d'ailleurs était complètement une folie à réaliser, n'aurait jamais pu s'envisager sans cette phase d'incertitude. Il fallait trouver à ce moment-là près d'1 million d'euros pour mettre en mouvement ce village des imaginaires circulaires. Et
ce village des imaginaires séculaires n'aurait jamais eu une relation aux imaginaires sans cette pensée d'Edouard Glissant. Donc voilà, donc je... alors après, on pourrait développer toutes sortes de choses, mais je veux simplement dire que du particulier, ensuite, si on va au général, on se rend compte, alors on a pu le voir, il n'est pas là, Anne-Sophie Chaubris, mais que beaucoup d'artistes contemporains utilisent aujourd'hui certains concepts, ou même se sont imprégnés de la pensée d'Edouard Glissant. Et je dois dire que tous les... alors là, c'est le prof d'université qui parle, tous les mémoires... que l'on voit passer aujourd'hui sur la relation, sur tout ce qui peut en tout cas traverser le monde, ou qui est une relation entre art et politique, eh bien, à un moment donné, convoque la pensée d'Edouard Glissant. Et ça, c'est quelque chose de précieux, parce que la plasticité d'Edouard Glissant, eh bien, elle était certaine. Notamment, je pense qu'au-delà même du poète, je pense qu'il avait une dimension de plasticien. Et d'ailleurs, il nous a également fait l'honneur de venir dans l'équipe d'Art et Flux à l'époque, ce qui a été aussi l'occasion pour beaucoup de membres de s'en inspirer. D'accord, merci beaucoup. Alors, Zahir Hamani, est-ce que ça vous paraît être une sortie de l'assignation ou une application qui respecte quand même un peu l'opacité d'Edouard Glissant? Une réaction? Disons que... Je vais écouter Anne d'abord et j'aimerais juste dire un mot, c'est qu'il y a une dimension politique chez Glissant qui affecte par capillarité, et il y a aussi l'efficacité à venir. Hein. Et je pense que moi je comprends cette question de la circularité. Enfin, si vous voulez, quand j'entends circularité et dynamique, la vraie question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on parle de quelque chose qui l'illustre? Ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui a cette efficacité-là? Vous voyez, je veux dire, j'entends bien, hein, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas l'illustration d'un propos de Glissant? En quoi c'est efficace? Non, mais tant qu'à faire, c'est quand même un des vrais dangers aujourd'hui. C'est arrivé à Derrida, ça arrivera à d'autres. Hein. Je pense qu'il y a la différence, ça serait la participation. Ça illustre quand on est passif devant ce qui s'illustre devant nous. Mais si on y est impliqué, est-ce que ça reste encore de l'illustration? Non, mais moi, j'entends que ça échappe. J'entends que ça échappe à Glissant. Ça, je l'entends vraiment. Après, moi, en tant que lecteur, spectateur, critique, je suis aussi en droit de dire, à un moment donné, comme un censeur, d'une certaine manière, là, la manière dont ça échappe, d'une certaine manière, ça dessert l'œuvre. Vous voyez, je peux dire ça aussi. Donc, c'est important, c'est un peu notre rôle aussi, quand on s'est imprégné de cette œuvre. Et on s'en imprègne pour des raisons, je dirais, souvent esthétiques et politiques. C'est-à-dire que ça... Alors moi, contrairement à ce que vous avez dit vous concernant, l'œuvre de Glissant, c'est une œuvre qui, en fait, a rencontré des millions de gens. Oui. Voilà. Qui, non pas l'attendaient, mais ont acquiescé à ce qui a été énoncé parce qu'il y avait une rencontre de fait. Voilà ce que je veux dire. Je dis des millions quand c'est traduit, mais en tous les cas, dans la société française et l'espace francophone, oui. En raison des mobilités, des déplacements, il y a quelque chose qui est énoncé par Glissant qui, d'emblée, rencontre, plus que son lecteur, je dirais, un participant de ce devenir-là. Et je suis d'accord avec l'imprévu. Hein. C'est une des difficultés à laquelle sont confrontés un certain nombre de gens quand on est d'une certaine manière déplacé, la solidité du sol n'est plus un problème. La difficulté, c'est quand on est sûr d'une certaine solidité du sol et qu'il faut accepter de se défaire de cette solidité. C'est ce qui est très intéressant et Glissant, c'est qu'un grand nombre de personnes qui n'ont plus cette solidité du sol au pied l'appréhendent avec une très grande aisance. Ce pourquoi certaines personnes s'y opposent, c'est qu'il faut accepter que cette solidité trop ferme est problématique et il faut s'en défaire. Et c'est peut-être pour ça que l'œuvre de Glissant résiste à la compréhension à certains endroits de ce point de vue-là. Voilà. Maintenant, j'insiste, je suis très méfiante. J'ai toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire que les objets théoriques, pratiques et autres sont dans une bibliothèque à un endroit. Ce que les artistes en font, quand ils commentent l'œuvre littéraire à partir de leurs œuvres visuelles, je pense qu'on peut dire qu'il y a débat. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ici la... j'entends aussi ce que tu dis. On a souvent le même débat avec les historiens de l'art. Et c'est vrai que
Moi, ce que j'apprécie dans Édouard, c'est que il vivait la pratique au présent et que, voire même, il s'y investissait. Franchement, je trouve que c'est d'un courage incroyable, parce que finalement, cet homme n'avait pas forcément à devenir grand magnat des imprévus. Et d'ailleurs, je ne lui ai même pas demandé, il l'a marqué sur la nappe. Un papier, quand on était à côté, l'un à côté, il m'a dit « Moi, je serai grand magnat des imprévus ». Alors, à partir du moment où il me dit ça, nous nous retrouvons dans un terrain commun qui finalement fait que, d'un moment poétique, finalement mouvant, et moi j'aime bien les sables mouvants, justement, à ce niveau-là, il y a une plasticité dans le moment, c'est presque une danse. Et je crois qu'il aimait danser, d'ailleurs, et donc c'est ce rapport, tu vois, à la excuse-moi, on se tutoie, mais c'est ce rapport à l'énergie, en tout cas, qu'on a pu partager, que je veux simplement retranscrire, mais évidemment, il n'y a... Alors, loin, enfin, je pense que personne ne peut se réapproprier le travail d'Edouard. Au contraire, je pense que Édouard Glissant a voulu livrer des pistes, des concepts, et on en fait ce qu'on en veut, évidemment, mais on peut aussi créer des prolongations et prolonger cette désorientation. Oui, mais j'entends. Et j'aime beaucoup cette idée. Alors, le problème. Et c'est souvent le dialogue qu'on a avec les historiens, c'est-à-dire qu'il y a un manque de certitude. Je pense que je suis un amateur d'art. Je ne suis pas d'accord avec cette formule, les historiens d'art. Je pense qu'un artiste comme Mathieu Abonin, qui est quelqu'un qui a lu Édouard Glissant, mais qui en fait autre chose, je pense que Vincent Mécène, qui est exposé à l'étage, pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une obligation d'énoncer... Je voulais juste dire ça. Hein. Ce n'est pas une obligation pour un artiste de devoir rappeler que son œuvre visuelle, quand elle... Enfin, cite Glissant de la manière dont tu le cites, c'est-à-dire en se réappropriant un concept. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est une œuvre, celle de Glissant, qui a vraiment par capillarité, qui a contaminé, qui travaille le quotidien des artistes. Mais ça ne signifie pas nécessairement qu'il y a un concept qui est indexé à l'œuvre. Non, c'est mais, ça que je voulais mais dire. Je pense qu'il faut, vraiment, et ça serait important, très intéressant... Je veux le dire, parce que sinon, on perd de vue la puissance... Je précise ce que j'ai demandé à Yann Thomas, de venir ce soir pour dire précisément la dette à l'égard d'Edouard Glissant, même s'il ne va pas forcément le faire tout le temps. Mais ça serait c'est intéressant, ce que j'attendais de lui ce soir. Mais je trouve que ça serait intéressant qu'on puisse, questionner... mais on a entendu énormément d'artistes se réclamer de la pensée d'Edouard Glissant. C'est formidable. Ça les traverse, il restitue quelque chose, ou pas. Je trouve que c'est très intéressant. Moi, je veux dire que... Je ne crois pas qu'on restitue ou pas. Je pense que la chose est présente. Alors, en tout cas, moi, personnellement, si je n'avais pas croisé l'expérience de cette rencontre, je n'aurais pas, à mon avis, pensé de cette manière-là l'ONU. Parce que ce lieu est un territoire complètement théâtral. Et donc, si vous ne mettez pas en mouvement quelque chose qui... Il me disait d'ailleurs très clairement, il ne faut pas y aller sans bonne raison. Et donc, c'était l'idée qu'il y ait un objectif. Oui. Alors, on poursuivra. Incertain, mais un objectif. On poursuivra peut-être le débat parce qu'on voudrait écouter. Des messes basses maintenant, alors. Non, on va écouter Anne Lafont, voilà, qui, elle, je crois, n'hésite pas à dire qu'elle est historienne de l'art, plus que. Enfin, pas plus ou à côté de l'expression amateur. Donc, voilà. Qui va parler, alors, justement, de. Je crois que dans le domaine là de théorique et de l'analyse aussi, de l'importance d'Edouard Glissant pour la pensée même de l'histoire de l'art, hein, pas seulement de l'esthétique, mais par rapport aux catégories, peut-être aussi cette manière que vous avez commencé à le dire, d'échapper à des assignations catégoriques ou dogmatiques. Anne va nous parler... du rôle d'Edouard Glissant dans la pensée aujourd'hui de l'histoire de l'art. Oui, absolument. Merci François. Donc je serais ravie aussi de rentrer dans votre conversation après, mais je fais une petite proposition ce soir. Donc moi j'ai la chance, je ne sais pas, ou le malheur de ne pas connaître du tout Edouard Glissant. Je suis peut-être la seule, mais de l'avoir lu à
assez jeune, et d'avoir été justement dans la salle de l'INHA lorsqu'il est venu justement en 2007 autour de la journée d'études que Zaya avait organisée. Mais disons que je me sens tout à fait libre d'être lectrice d'Edouard Glissant et d'avoir trouvé, en fin de compte, ce qui a été quelque chose d'assez, moi aussi, fondamental dans mon travail, d'avoir trouvé une réponse à des enquêtes que je faisais autour de ce que je pourrais appeler un système artistique en régime colonial et esclavagiste, ce qui est quelque chose d'assez contradictoire en soi, puisque c'est penser un art libéral dans un système donc d'esclavage. Pardon. Voilà. Donc ça a été, ça participait, si vous voulez, je m'inscrivais dans un certain nombre de courants historiographiques en histoire de l'art qui tentaient de définir l'histoire mondiale de l'art et finalement qui étaient assez décevants dans leur, non pas dans leurs attendus, dans leur manière dont ils cherchaient, mais dans ce qu'ils restituaient. C'est-à-dire que ce à quoi j'étais confrontée dans un premier temps, c'était essentiellement une histoire de l'art pétrie d'occidentalité, comme l'a dit James Elkins, qui était un des premiers historiens de l'art à tenter d'échapper justement à cette matrice occidentale de l'histoire de l'art calée sur l'État-nation autour de catégories, comme le disait François, comme l'école nationale de pensée, comme on peut voir dans les musées. Vous circulez dans les musées, au musée du Louvre par exemple, vous avez toujours affaire à des classements, des regroupements des œuvres autour de l'État-nation en quelque sorte, hein, qui est dû au fait que les musées sont créés au 19e siècle. Donc on a l'école italienne, l'école flamande, l'école française, etc. Or, quand on choisit de s'intéresser a priori, c'est-à-dire que moi j'ai eu cette démarche de penser la possibilité d'une création, d'une œuvre plastique en régime esclavagiste, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne savais même pas si c'était censé comme question. Mais ce qu'il fallait lever essentiellement, c'était donc ces catégories qui niaient la possibilité, puisque lorsqu'on parle par exemple de l'art dans les Caraïbes, il est plus possible de se recaler sur la question nationale. La dimension archipélique, hein, je ne vais pas vous l'apprendre à vous aujourd'hui, fait que la question des nations est tout de suite contredite par les changements déjà d'une île à l'autre dans l'histoire du long 18e siècle par exemple, qui passe de la France à l'Angleterre. Donc on ne peut pas penser les choses comme ça. Et par ailleurs, autre élément fondamental qui venait pas de Glissant, mais que Glissant a formulé de manière tout à fait intéressante, c'est la question de ces migrants nus. Donc comment penser une tradition artistique sur la longue durée quand on arrive dénudés, démunis, comment avoir même un système. Si je reprenais, si vous voulez, toutes les catégories qui sont propres à l'histoire de l'art, qui est aussi la sauvegarde du patrimoine et la transmission patrimoniale, comment penser la constitution, la thésaurisation vraiment d'objets symboliques dans des structures sociales, et comment penser qu'on peut se le transmettre lorsqu'on est en possession de rien. On arrive, on n'a rien et on est démunis. Donc c'est toutes ces choses, si vous voulez, moi j'étais formée très traditionnelle à l'histoire de l'art, et tout était édifié finalement pour que ce ne soit pas possible de reconnaître une part créative en régime esclavagiste, et plus encore peut-être une contribution africaine, s'entend au sens très très large si vous permettez, de l'œuvre d'art dans ces systèmes-là. Donc c'est un peu cette contradiction qui m'a amené à chercher d'autres modèles. Et une fois encore, ce qui était depuis 20-25 ans et plutôt dans les milieux anglo-saxons, enfin je lisais volontiers aussi en anglais les écrits, l'ambition était justement de cette histoire mondiale de l'art qui était en fin de compte une forme universaliste qui était plus suivre la conquête, si vous voulez, des Européens dans différentes parties du monde et voir ce qu'ils avaient créé au contact des autres, mais sans s'émanciper à nouveau de ce regard-là. Donc il manquait, si vous voulez, tout simplement la possibilité de penser autre chose. Donc c'est à ce moment-là que la rencontre, encore une fois, non pas personnelle, mais avec l'œuvre de Glissant, et non pas du tout, en n'étant pas du tout tournée vers l'art contemporain pour ma part, m'a permis de lever vraiment des aveuglements, je ne sais pas si c'est le mot exact, méthodologiques, et de pouvoir, parce que moi, c'est quand même mon but dans mon travail d'historienne là, de trouver des objets. Parce que voilà, c'est l'histoire de l'art est fondée sur les objets. Donc je les partage un petit peu avec vous. Du coup, je pense ça un petit peu plus, je ne sais pas si je suis claire, mais tu me dis s'il n'y a pas de... Si, donc je vous montre quelques objets que j'ai apportés
pour voir comment ça a travaillé. Donc, la seule chose qui m'avait été possible d'identifier comme étant une œuvre en régime esclavagiste, c'est cette poterie qui est, comme vous le voyez, datée et signée. Dave the Potter, 1859. Et c'est une céramique d'assez grand format, faite par un artiste africain-américain, esclave, donc aux États-Unis, si je me rappelle bien en Virginie, en tout cas un des États du Sud. Et si vous voulez, c'est la première inscription, il faut savoir que les esclaves n'avaient pas le droit d'apprendre à lire et à écrire, c'est la première inscription d'une signature. Et vous savez, comme dans le domaine de l'histoire de l'art, la question de l'autorité et de la signature sont fondamentales pour désigner l'œuvre d'art, hein. Une signature en tant qu'esclave sur un objet qui a donc pour mission de témoigner, j'ai été là, j'ai fait cet objet, moi le potier David. Donc on retrouvait le plus proche, si vous voulez, de ce qui pouvait croiser l'histoire de l'art traditionnel autour d'une date, d'un auteur et d'un objet, c'était à partir de 1859. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est un objet tout à fait exceptionnel pour comprendre. En voulant remonter plus loin, c'est ensuite, il m'a fallu poursuivre, je dirais, la contemplation ou l'observation. Enfin, la contemplation, je ne sais pas toujours. L'observation des objets qui nous avaient été transmis. Et là, vous avez un pastel d'un Martiniquais qui s'appelle Joseph Savard. On voit quatre femmes de différentes couleurs qui a été fait à la Martinique en 1780. Et on voit toute la, comment dire, le rapport au tissu, au textile et à tout ce qui est le vêtement, notamment féminin, et qui est une, je dirais, dans la peinture traditionnelle académique européenne telle qu'elle est portée par des artistes colons, en quelque sorte, dans les colonies françaises à la fin du XVIIIe siècle, elle est partout. Et donc, il a fallu décaler ou décalquer ce pastel tout à fait traditionnel, tout à fait français, et comprendre que le lieu d'expression, notamment des femmes, dans le milieu colonial de la fin du XVIIIe siècle, était essentiellement lié à la question du textile et à l'ornement du corps. Et même penser que l'ornement du corps était le lieu de thésaurisation, finalement, de traditions artistiques et stylistiques, je dirais, en gros, mais c'est trop vite dit, africaine. Et là, vous avez deux exemples. Donc là, effectivement, ces quatre femmes avec leur tissu et le petit ballot de tissu aussi qu'elles ont devant, le rapport donc à la couleur à la fois de l'habit porté, à la couleur aussi du teint. Et en même temps, je vous ai mis juste à côté un bouton qui est attribué à Toussaint Louverture, où il reprend ces scènes traditionnelles peintes par Agostino Brugnas, qui est un peintre britannique du milieu du XVIIIe siècle. Et donc, il s'approprie l'iconographie européenne, le regard porté donc sur les Antilles, en le portant sur son propre corps sous la forme de bouton. Donc c'est de voir aussi dans les questions justement d'échange, d'échanger en échangeant, si vous voulez, comment Toussaint Louverture, héros donc bien évidemment de cette première nation noire indépendante et postcoloniale, peut aussi s'approprier l'iconographie traditionnelle anglaise et en faire quelque chose qui devient emblématique d'une réappropriation finalement et d'une forme de créolisation déjà des imaginaires dans ce cadre-là. Donc, et le rapport au corps aussi par rapport à toute cette question sur le dénuement et le lieu de stockage finalement de l'objet. Je passe un peu vite. Donc une scène de marché de tissus, on a toute une iconographie de marché de tissu, et on voit là le rapport justement de ces femmes et l'imaginaire, enfin comment aussi elles retravaillent beaucoup de tissus qui viennent des Indes, des cachemires et autres, et comment elles le retravaillent. Et c'est un marché de tissus à la Dominique, donc c'est une ancienne île, pardon, mais c'est que je voudrais dire tout ce que j'ai à dire. C'est une ancienne île justement au moment où Agostino Brugnas y arrive, il est en tant que représentant finalement de la colonie britannique. C'est une île qui était trois ans auparavant encore française. Donc on a par le témoignage de cet artiste italien qui émigre en Grande-Bretagne, qui est ensuite envoyé dans l'île de la Dominique, finalement de la vie dans les colonies françaises plus particulièrement, même si elle est devenue britannique à ce moment-là. Et donc c'est intéressant de voir toute la hiérarchie sociale à travers l'habillement
donc dans cette scène, qui est un peu l'équivalent des peintures d'histoire dans le monde colonial. Donc ça, c'est autre chose. Et puis, un dernier élément pour illustrer un petit peu ce que je veux dire par le stockage sur le corps, par le fait de la transmission du patrimoine en système esclavagiste autour du corps, avec ces femmes, plutôt dans le milieu brésilien, donc, qui, par les petites pièces donc, de minerais d'or qu'elles pouvaient s'accaparer dans le travail qu'elles faisaient, évidemment, pour quelqu'un d'autre, elles en faisaient des tout petits bijoux qu'elles gardaient sur leur corps, puisqu'elles n'avaient pas évidemment de coffre-fort ou de maison, etc. Et qui est devenue toute une esthétique que l'on peut même relier aujourd'hui à tout ce qu'on appelle le bling-bling et le rapport à la chaîne en or, etc., dans certaines formes plus urbaines, finalement, de la culture, qui a une histoire très ancienne. Et ce qui est intéressant aussi, après, peut-être la deuxième partie, bon, je ne vais pas réussir à dire... Mais tu me dis, François, quand... Oui. Bon. Bon, pareil, toujours le rapport au textile aussi avec tout ça. Et ce qui est très intéressant méthodologiquement aussi, c'est que finalement, on utilise les photographies de la fin du 19e siècle qui sont faites souvent par des artistes brésiliens, mais d'origine française, pour lire une tradition qui existe depuis la fin du 18e siècle. Donc tout ce travail, si vous voulez, de construction d'une histoire sur la longue durée est possible à travers ces témoignages-là. Donc on a dans ces œuvres-là, si vous voulez, l'histoire à peu près de 1750 à 1890. Et là, je montre juste quelques petites choses pour montrer le rapport justement de Glissant à Jean Laude et de son lien évidemment à l'art contemporain, et aussi à la manière dont moi je me suis autorisée en tant qu'historienne de l'art, ni artiste, ni écrivaine, de me connecter à Glissant par le biais de Jean Laude, qui était un historien de l'art très... historien de l'art africain, mais pas seulement, aussi des avant-gardes du 1er 20e siècle, qui était, je crois, proche ami de Jean Laude, dont Glissant parfois performait les poésies. Et je crois qu'il y a quelque chose autour de leur travail commun ou leur amitié commune, j'en sais pas plus sur le plan privé, qui a été une voie pour dire peut-être que dans ce que Michel Léris appelait notamment les sociétés sans écriture, hein, subies ou voulues, etc., la part de l'objet est particulièrement importante et la forme poétique de prise en charge conceptuellement peut être une avenue aussi extrêmement féconde. Et donc, juste pour rappeler un petit peu, puisque l'Écrivoire, c'est une petite revue aussi dans les années 80, faite par un groupe d'historiens de l'art de Paris 1, et Édouard Glissant, ils font un numéro autour de Jean Laude, Édouard Glissant donne un texte magnifique où on retrouve déjà justement la question du métissage, la question de Wilfredo Lam. Bon. Et puis après... Bon. Après, je voulais juste peut-être dire un petit peu plus concrètement encore comment la question de la mondialité avait été particulièrement intéressante. Alors, je vous donne à lire, évidemment, toutes ces choses-là, mais vous pourrez les trouver autrement. Mais peut-être juste préciser comment les questions de mondialité, en ce que c'est... comme il le disait lui-même et comme vous pouvez le lire, l'envers de la mondialisation, et comment la question de la créolisation, dont je montre aussi, on pourra y revenir éventuellement dans sa définition, ça a été justement cette possibilité de sortir de l'histoire mondiale de l'art. C'est-à-dire que je crois que ce qu'offrent vraiment ces deux concepts à l'histoire de l'art, c'est la possibilité de ne plus penser l'histoire de l'art comme l'histoire des formes arrêtées, fixées dans les musées, mais bien de penser en termes de processus. Et du coup, de ne plus être dans une succession de formes qui s'arrêtent, mais bien un processus ou des pratiques qui intéressent davantage, finalement, l'intention, peut-être l'intention artistique, que d'être dans quelque chose qui serait tout à fait naturalisé et fixé, finalement, par une histoire des formes qui prend son terrain dans le musée au lieu de le prendre dans le processus et dans la lutte que l'on peut avoir dans un système, justement, de violence. Voilà. Merci beaucoup. Zéna. Oui, je remercie vraiment Anne d'avoir recontextualisé, en fait, à la fois son travail et ce sur quoi on parle, et lui dire aussi, et dire à la salle, que dans ce même mouvement... on a fait un travail de généalogiste aussi. C'est-à-dire que cette histoire de l'art, souvent, quand on l'énonce, elle est en dehors de tout corpus. Et en travaillant à partir en fait, des revues, et Anne, ensuite, tu as mené ce projet sur les 100 revues de langue française hein, dédiées à l'art, et ensuite, nous avons mis en place à l'INHA ce recensement que j'ai fait avec mon équipe des revues non européennes, Sismographie des luttes. Et en fait, on se rend compte qu'une part immense est oubliée de la critique et de la théorie qui nous viennent en fait des Caraïbes.
L'une des premières revues que l'on recense aujourd'hui, elle est haïtienne, elle date de 1804, bien avant les revues critiques et culturelles produites en Europe. C'est important de le dire. Les corpus qu'on a recensés ont été produits à la toute fin du XVIIIe et début XIXe dans les Antilles. L'abeille haïtienne que vous trouvez numérisée maintenant à la Bibliothèque nationale de France est une revue critique et littéraire qui date de 1817. Dans toutes les anthologies, on nous ramène les objets produits dans ces régions du monde un siècle plus tard, ce qui est totalement faux. Ce que l'on constate aussi, en recensant à peu près 1200 revues critiques et culturelles non européennes, ou non produites en Europe, même si elles sont diasporiques, c'est exactement ce que tu dis, Anne, c'est que d'une certaine manière, cela s'accompagne aussi, même quand tu parles de société sans écriture. Ce qui est incroyable, c'est l'effort fait pour devoir quand même énoncer par l'écrit quelque chose de soi par ceux qui ont produit ces revues au tout début du 19e. Voilà. Je voulais juste dire cela, c'est-à-dire que derrière, à partir de ce qu'on pourrait appeler le modèle du samizdat, hein, qui est né dans le marronnage, et on sait en fait que la critique, la pensée émancipatrice, elle est née là. Et elle a ensuite fourni tout ce qui a pu servir à certaines pensées dialectiques de la relation du maître et d'esclave, mais elle est née là. Elle est née dans ces pratiques-là, et on a retrouvé des écrits qui, d'une certaine manière, annoncent ce que nous, aujourd'hui, on appelle une revue, c'est-à-dire une matrice de la modernité. Et sincèrement, c'est étonnant de voir combien les Amérindiens, les Antillais, les Africains-Américains ont produit comme corpus avant même qu'on produise des revues en Europe. D'accord. Ça, c'est le travail archéologique. Oui. On va débattre ensemble et puis avec la salle. Mais je vous le disais, il y a quand même le versant esthétique d'Edouard Glissant auquel il faut faire droit. Et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu justement de... Alors, il y a cette réflexion sur l'histoire de l'art, enfin, du moins qui permet de revoir la notion d'histoire de l'art et comme histoire des formes mondiales. Mais il y a aussi une réflexion conceptuelle sur la notion de beau et de beauté. Alors, je vous propose, parce qu'on a vu des choses, je vous propose d'entendre un petit extrait très court, mais 2 minutes, d'Edouard Glissant parlant du beau et de la beauté. Alors, c'était aussi en 2007. Je l'avais reçu donc à France Culture et j'avais voulu le mettre d'ailleurs en relation avec des artistes, et dont Yann Thomas. Il y avait aussi Bruno Penado qui se dit aussi s'inspirer d'Edouard Glissant. Et on avait commencé à discuter d'abord, donc Edouard Glissant et moi, sur ces questions d'esthétique. Et je vous propose d'entendre pendant 2 minutes. Alors, je suis désolé parce que le fichier son là n'est pas très bon, pas très performant, mais je crois quand même qu'on reconnaît bien les notions qu'il emploie. Donc, sa définition de la beauté. Alors, si la régie peut l'envoyer. Edouard Glissant, pourquoi une esthétique ? Eh bien, bon, si on pouvait répondre clairement à cette question, ce ne serait pas la peine d'écrire des livres de ce style. Mais on peut donner quand même une orientation. Je crois que vous avez parlé du beau et des lois de esthétiques du beau. Et moi, je pense que il y a à distinguer entre le beau et la beauté. Que la beauté est une pulsion du monde et que le beau est une remarquable d'ailleurs et très, très souvent magnifique catégorisation de codes, de lois, de règles qui mène à l'harmonie, à un ensemble de formes qui satisfont notre désir d'ordre et de stabilité dans une société. Mais le beau, la beauté, ce n'est pas ça. La beauté, c'est une pulsion, c'est une souffrance, c'est un tremblement, c'est une présence du monde. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est cela que nous vivons. Cette présence du monde, cette pulsion, ce tremblement, cette souffrance qui sont dans le monde et qui n'empêchent pas d'ailleurs la joie et la participation. Et il faut pister tout cela.
Et ce que je crois, et c'est pourquoi j'ai dit esthétique 1, il y aura esthétique 2, il y aura, c'est qu'on ne piste pas cela d'un seul coup. Ce n'est pas comme une révélation. Il faut chercher, il faut trouver, il faut peiner parfois. Et je crois surtout ceci, que nos plus grandes et nos meilleures références d'action politique, désormais, nous devrons les chercher aussi du côté des esthétiques. Alors, je vous laisse réagir à cet extrait. Anne Lafon. Merci François. Je ne connaissais pas cet extrait-là, pourtant j'ai écouté beaucoup de choses à la radio avec cette voix si agréable à entendre. Mais précisément, je me rends compte que ça dit beaucoup mieux ce que j'ai essayé de dire plus tôt. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le passage pour moi, et qui est quelque chose de peut-être en histoire de l'art, en une discipline assez difficile à bouger. C'est exactement ce passage, justement, du beau qui serait l'histoire de l'art qu'on écrit depuis les musées, ce que j'essayais de dire, autour de formes fixes et canoniques, finalement, qui répondent à un certain nombre de règles énoncées préalablement, à la beauté, et peut-être cette histoire de l'art que j'aimerais faire en système esclavagiste et colonial, où on va chercher cette pulsion, ce processus, cette intention de beau, indépendamment, je dirais, de sa réalisation. Et voilà, le beau et la beauté telle que tu nous le donnes à entendre là, dans les mots même, la voix même d'Edouard Glissant, enfin, rejoint exactement ce déplacement que j'ai pu faire à la lecture de ces textes. Oui. Zaya, je trouve que c'est assez épiphanique. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et puis qui vous donne une énergie incroyable. Alors, à l'entendre à nouveau, je me dis, mais est-ce que avoir cette énergie épiphanique constante, et c'est incroyable. C'est incroyable, je veux dire, tout le temps, vivre dans cette possibilité-là, qui est de ne pas savoir ce qui vient et de l'accepter comme tel. Voilà. C'est une réalité qui... on demande un certain corps pour cela, oui. Yann, cette relation entre pulsion et tremblement, finalement, je trouve que ça donne un éclairage aussi. Je reviens à l'intraitable beauté du monde, donc, qui est cette adresse à Barack Obama. Je trouve ça crée un lien très concret avec la réalité aussi politique. Et le fait de convoquer ces forces-là, c'est peut-être la possibilité de créer à nouveau du sens dans la relation. Parce que sinon, il n'y a aucun sens à cette course en avant des États-nations. Je crois aussi qu'il y avait un débat philosophique dans cette distinction, c'est-à-dire que il s'en prend quand même à ce qu'il appelle les pensées de l'un, de l'ordre, de pensée de système, et que c'est quand même la définition du beau platonicienne qu'il essaye d'attaquer pour proposer une autre notion qui est en rapport avec sans doute les processus. Mais justement, pour revenir un peu à cet aspect peut-être un peu polémique aussi chez lui, ou cette manière de mettre en cause un certain nombre de catégories conceptuelles ou esthétiques, est-ce qu'il ne joue pas malgré tout quelque chose de l'ordre du territoire, pas du national, mais du continent ou de l'archipel contre le continent, ou d'un autre continent. Je pense par exemple à la manière dont, en esthétique, on n'en a pas parlé, ça, mais il a quand même beaucoup essayé de mettre en valeur la notion de baroque. Baroque, mais alors pas le baroque du XVIIe siècle, mais européen, mais le baroque sud-américain. Hein. Très bien. Et donc, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas simplement pour valoriser ses amis, Mata ou Segui ou les Caribéens, voilà. C'était quand même pour essayer de dire que par rapport à, c'est peut-être un peu simplificateur, mais par rapport à un ordre formel très très rigoureux, et cette profusion, ces excès donc de l'art latino-américain était pour lui à défendre et en opposition à ce qu'il considérait comme un beau trop systématique, trop ordonné, là tout n'est qu'ordre et beauté, voilà. Donc là il jouait quand même quelque chose de, peut-être, je ne sais pas si le mot territorial est juste, mais d'oppositionnel. Juste rappeler que dans la Société du spectacle, Guy Debordy, le baroque, c'est un art qui a perdu son centre.
Voilà, c'est juste une définition que je trouve très efficace pour comprendre ce dont on parle quand on parle de baroque. Et c'est vrai que c'est intéressant de se réapproprier ça concernant Glissant. Oui, non, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, il peut y avoir quelque chose. Tu irais presque jusqu'à dire un peu systématique dans la manière d'opposer le divers. Je veux dire aussi, par exemple, c'est en littérature. Bon, c'est bien que il y a c'est des littératures du rien, du vide, vraiment qu'il n'aimait pas du tout et auquel il opposait vraiment le trop-plein, la profusion, la démesure justement, ce qu'il considérait comme la mesure. Et bon, pour moi, c'est un peu polémique parce que on sait très bien que aussi, je l'ai évoqué précédemment, ces phrases aussi quand même ont une certaine mesure, une mesure de la démesure, et que au fond, cette opposition, elle peut être un petit peu trop systématique. Mais je pose la question, vous qui maniez les catégories esthétiques. Écoute, moi je trouve en tout cas c'est extrêmement fécond, c'est-à-dire que tout dépend peut-être l'avancement dans les disciplines ou dans les pour revenir encore une fois à ce que je connais le mieux à l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il était nécessaire quand même de faire valser en quelque sorte des catégories qui étaient extrêmement restreintes. Oui. Donc ne serait-ce que cette opposition même qui peut être un peu systématique crée quand même quelque chose. Et moi, une des choses qui aussi dans les lectures, et malheureusement j'ai pas retrouvé les citations en préparant aujourd'hui, mais que j'avais beaucoup aimé, c'est cette idée de cabotage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient toujours à terre quand même et qui est moins dans le côté systématique, si tu veux, et qui pouvait aussi donner lieu, il me semble, dans un rapport justement aux matériaux, à quelque chose qui est quand même très situé et qui n'est pas dans quelque chose de trop systématique. Enfin, la dimension archipélique est pas, ou du moins de la manière dont je l'ai lu là, je ne sais pas du tout dans son intention. Une autre notion aussi qu'on entend dans les domaines qui sont les vôtres, le relationnel. C'est un mot qui a eu beaucoup de succès aussi. L'art relationnel, etc. Bon, avec des références qui témoignent, alors peut-être, je ne sais pas, Zaya dirait peut-être aussi d'un malentendu, mais aussi de la fécondité de greffes, en quelque sorte, sur l'œuvre d'Edouard Glissant, qui vont donner lieu à non seulement des pratiques, mais aussi des expositions muséales qui vont faire jouer justement de l'extraterritorialité, de la relation inattendue. Alors, est-ce que ça vous paraît ça être un legs aussi d'Edouard Glissant ? Alors, je voulais juste revenir sur cette question baroque. Oui. Moi, en m'intéressant au nouveau roman, j'ai croisé Glissant, en fait. Et je pense qu'on se trompe quand l'idée du ressac et du mouvement... ce n'est pas nécessairement la profusion du baroque. Je pense que c'est un très très grand formaliste, Glissant. C'est vraiment quelqu'un qui est un puriste, un vrai puriste, mais il amène avec lui un monde. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il élargit le nouveau roman, pour moi, profondément, et on se rend compte aussi, si on voulait l'accepter, que ils formaient un corps de métèques, tous. Je sais que c'est difficile à entendre, mais quasiment tous ceux qui ont participé à cette aventure, et c'est sa génération. Il y a la part psychanalytique aussi qui est très importante, et après je vais revenir à cette question de la manière dont l'esthétique relationnelle ou autre, on peut l'accepter et l'admettre, hein, ça c'est sans aucun problème. Mais il me semble que Glissant, il s'adresse aussi à tous ceux qui n'ont plus de pays de réserve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière eux qui n'est plus là à jamais et qui aurait dû structurer leur vie, faire partie de leur vie et qui n'est plus là. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec une esthétique joyeuse, relationnelle et belle. Il y a quelque chose de profondément mélancolique aussi chez Glissant parfois et aussi une conscience de la destruction profonde et qui fait que il faut aussi parfois l'envisager avec gravité. Même quand la relation est une chance et un avenir, il faut l'envisager avec gravité. Et je pense parfois qu'on fait perdre à Glissant, avec la joyeuse aventure de l'esthétique relationnelle parfois, l'ancrage excessivement infâme d'où vient sa pensée, hein, c'est-à-dire la destruction de millions d'hommes et de femmes en raison de ce qu'ils étaient, des Noirs. Voilà.
Yann, sur les usages contemporains de notions comme baroque, relationnel, dans le champ artistique contemporain. Alors, je pense pas que. Alors, évidemment, je pense que l'esthétique relationnelle de Bourriaud a certainement, évidemment, un lien avec la pensée de Glissant, mais je ne pense pas que la relation dans le sens de Glissant aille vers un intérêt pour les œuvres a priori en tant que telles. C'est plus le processus, comme tu le disais tout à l'heure, ou c'est plus l'expérience. Et ce que je trouve assez intéressant, et voire même visionnaire, c'est on en revient à l'en avant dont il était question tout à l'heure dans cette lecture, c'est que finalement, moi j'y vois, quand je lis Glissant, une relation aussi à presque l'ère du post-digital et aux œuvres qui sont aujourd'hui dites interstitielles. Enfin, on retrouve dans cette pensée des capacités de réflexion de cette nouvelle technologie en phase avec la société actuelle. Ces œuvres qui sont immatérielles, qui finalement sont éphémères aussi, ou qui peuvent nous toucher au-delà même du lieu d'exposition. Et j'aime l'idée du tremblement parce que, en effet, ce qui est intéressant, c'est que dans le tremblement, il y a toujours quelque chose qui va s'arrêter. Et dans cet arrêt, la ligne ne va plus être maîtrisée. Et donc, dans cette non-maîtrise, il y a la possibilité de dire autre chose et donc de faire advenir des formes tout autre que celle qu'on attendait. Et donc, c'est cette incertitude-là qui, finalement, nous dépasse. On voit bien avec l'intelligence artificielle tous les débats qui émergent aujourd'hui. Et je pense que dans la pensée d'Edouard Glissant, il y a aussi cette vision. Et en tout cas, je crois qu'il faut il faut l'intégrer à cette relation aux nouvelles technologies parce que c'est quelque chose de très précieux, ce qui nous a légué à ce niveau esthétique. Bien. C'est-à-dire, tu comptes... Enfin... C'est... Chez Glissant, il y a du performatif, hein, il faut quand même le dire. Oui. Voilà. C'est-à-dire c'est exactement ce que tu essayes de dire là, c'est-à-dire qu'il me semble, quand on l'entend, hein, pulsion, la beauté, pulsion du monde. Qu'est-ce que c'est le performatif, quoi ? C'est quand même un point d'énergie à un moment donné. Mm-hmm. Voilà, il réalise le concept en le proclamant, quoi, c'est ça ? D'une certaine manière, oui. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, je crois qu'il est temps d'engager un dialogue avec celles et ceux qui aimeraient poser des questions ou apporter leur point de vue ou demander des précisions. Aussi bien du point de vue artistique que d'un point de vue historique, d'histoire de l'art ou du point de vue de la réflexion esthétique. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait engager un débat ? Moi, j'ai d'autres questions à leur poser, hein, mais bon, je ne veux pas monopoliser le débat. Non, pas tout de suite. Donc, je peux continuer alors ? Si ? C'est bien, on voit. Oui, en fait, je voulais peut-être abonder dans le sens de Zaya. Moi, quand j'ai lu Glissant, enfin, moi, je suis littéraire de formation déjà, c'est pour un peu cadrer la chose. Et effectivement, il y a du performatif, il y a de la praxis, il y a de l'efficace, dans le sens où pour moi, la philosophie esthétique de Glissant, c'est qu'il a multiplié les registres et les genres. Déjà, il faut le rappeler, ça, c'est qu'il est poète, il est romancier, il est philosophe, en tout cas penseur, et donc déjà cette multiplication de registres d'un même objet, pour l'appréhender et pour le dire autrement, voilà peut-être, comment dire, ce croisement entre la pensée et son efficace, et sa mise en pratique. Voilà. C'était juste pour abonder dans le sens des interventions de chacun. Très bien. C'est un addendum plus qu'une question véritablement. Juste un petit mot en passant. J'étais un peu surpris par cette idée de, ou alors j'ai pas compris, d'une opposition entre un beau qui serait, disons, ancien, qui serait une projection de l'esprit, je ne sais pas, et de la beauté qui elle serait naturelle. Bon, donc c'est pas ça, n'est-ce pas ? Rassurez-moi. Après, je ne prétends pas détenir la vérité de ce qu'a voulu dire. Je ne sais pas ce que je sais pas.
Je réponds. Vas-y, ouais, vas-y, bien sûr. Je réponds de mon point de vue, comment je l'ai compris. Peut-être que c'est, voilà, il y a d'autres manières d'appréhender cette proposition. Pour moi, c'est très éloquent, c'est-à-dire que le beau serait le fruit finalement d'un ensemble de règles abouties et transmises et codifiées en quelque sorte, mais sans, je veux dire, qui nous procurent en même temps énormément de plaisir et qui ne sont pas forcément à négliger. Mais c'est quelque chose qui serait plus convenu et consenti collectivement par les sociétés qui s'organisent autour d'un certain nombre de règles qui diraient que le beau c'est ça et pas ça. Et en l'occurrence, dans le cadre de l'histoire de l'art, pour moi ce serait effectivement un art de musée. Et la beauté, comme je l'ai compris dans l'intervention que nous avons écoutée, serait quelque chose plus qui serait une pulsion finalement et un processus, c'est-à-dire quelque chose qui aspire à la beauté, indépendamment de la forme finale que ça trouvera, qui est probablement imprévisible compte tenu des matériaux, de la violence dans laquelle ça s'exerce, etc. Mais c'est peut-être pour l'illustrer un tout petit peu par rapport à un corpus que je connais, la différence entre l'œuvre d'art que je montrais tout à l'heure, où on voyait ces quatre femmes dans un pastel selon des modes de représentation qui sont tout à fait traditionnels au XVIIIe siècle en peinture, et chercher dans l'usage du textile qui est fait par les femmes, soit libres, mais de couleur ou esclaves, etc., et comment elles organisent ou elles ornent leur propre corps dans une intention quand même esthétique, c'est-à-dire à la fois de beauté, hein, d'enjolivement en quelque sorte, même en système de dénuement. Et là, on a aussi l'art peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi, c'est la manière dont je le comprends. Voilà. Mais c'est une réponse peut-être parmi d'autres. Merci. Bonsoir, Anne Lafont. Alors, c'est juste de la pure curiosité. Je voulais juste savoir ce que vous nous aviez apporté en plus. Parce qu'on a eu un petit teasing, mais voilà. Comme on se connaît, on en parlera une autre fois. Ça n'intéresse d'accord. peut-être pas tout le monde. Ah non, mais je ne sais pas. On a juste eu, Non, mais j'avais... Juste sur l'art baroque, ça m'intéressait beaucoup aussi de finir là-dessus. D'autant, alors j'ajoute une petite chose, mais c'est un peu internaliste là, c'est dommage de se refermer sur nous. Mais on en parlera une autre fois. Mais juste pour, je voulais montrer aussi que ce rapport un peu personnel et qui m'a permis d'ouvrir de nouveaux chantiers et aussi de découvrir de nouveaux objets. Grâce à la lecture vraiment de Glissant et de regarder autrement les choses, cette question du baroque, le néo-baroque, est actuellement un grand courant historiographique en histoire de l'art. C'est-à-dire toute la peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle sont revues à l'aune d'une naissance, je vois Mathilda, que je n'ai pas vue depuis des années, d'un coup je la vois, ça fait bizarre, une naissance qui serait complètement décentrée donc de l'Europe à la périphérie. C'est-à-dire que, et pas seulement les historiens de l'art latino-américains, mais aussi d'une manière générale, on ne pense plus le baroque, qui est quand même une forme d'histoire de l'art occidental qui a, je dirais, Rubens, Rembrandt, existé presque exclusivement autour de certains grands artistes européens, devient relu à l'aune de ce qui a traversé les mers dans le cadre des cabinets de curiosité, etc. Et tout le domaine rocaille, enfin le lien justement à ce qui est la pierre, vient finalement de l'imaginaire marin et du coquillage, etc. Donc c'est passionnant, et aussi par rapport à tout ce que représente la mer dans le monde intellectuel caraïbéen, enfin de Derek Walcott à Glissant, c'est intéressant de prendre en retour la traversée des objets naturel venant des mers comme étant moteur d'un courant artistique qui serait le baroque et le néo-baroque dont on trouve des formes jusqu'à aujourd'hui voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut dire aussi que les historiens d'art au Brésil et en Amérique latine en fait travaillent aussi beaucoup sur cette période parce que c'est en architecture des volumes assez conséquents dans le paysage et donc il y a aussi ce travail qui est fait de l'intérieur du territoire et qu'on réceptionne par des échanges d'ailleurs. Tout à fait. Merci de votre exposé. Disons, j'ai ressenti beaucoup d'absurdité dans les réalisations, notamment celle que citait M. Thomas, de l'art circulaire au pied de la Tour Eiffel, qui aurait coûté 1 million d'euros pour produire des fruits destinés aux enfants de Japon, des fruits combattant contre le césium-137, des choses comme ça. Donc, c'est aberrant, si vous voulez,
de produire un exercice de 1 million d'euros face à des fruits dont il serait très facile, sans cet événement, de distribuer à ses enfants. Donc il y a ce côté absurde. De la même manière que vous-même, vous avez sans doute fait ressortir, lors de votre présence à l'ONU, qui est une grande institution, très chère, très onéreuse, que les Américains sollicitent abondamment au point de vue de leur argent. Et votre intervention met en avant l'absurdité de certaines interventions, même marginales comme la vôtre. J'aime l'idée d'être absurde et marginal, et je vous remercie de m'avoir indiqué. Alors, on ira peut-être un peu plus loin dans la discussion après, parce qu'on aura peut-être le temps d'en parler, mais heureusement, ce rapport, en effet, à l'acte de Dynamo Fukushima n'était pas lié à cette autre œuvre. Donc il y a un mélange des deux œuvres dans votre analyse, mais l'œuvre de Dynamo Fukushima a été liée à cet événement qui est arrivé donc 5 mois plus tôt. Et cet événement à Fukushima, il n'y avait aucun financement dans l'œuvre du Grand Palais, qu'on a dû trouver grâce à l'entraide des associations japonaises. Et ce qui était intéressant, en tout cas, de faire émerger à ce moment-là, c'est comme la France n'avait absolument pas eu de compassion et ni d'empathie vis-à-vis des populations sur place, il était important de faire émerger à travers ce lieu eh bien, une mobilisation qui permettrait aux gens qui étaient investis contre le nucléaire ou ceux qui étaient investis, qui avaient peut-être des idées pro-nucléaires, eh bien, de dialoguer ensemble dans un pédalage commun. Et donc c'est cette relation au bien commun qui était sous-tendue dans l'œuvre de Dynamo Fukushima et qui a eu certes une influence et une incidence minime, comme vous le signalez, mais qui a eu une incidence, en tout cas symbolique, qui a permis de créer déjà du dialogue et de la relation dans ce qui était inexistant et ce qui a aussi permis à des associations qui restent souvent dans la clandestinité d'agir et de montrer aux populations sur place que même aux antipodes, même si les personnes n'étaient pas présentes physiquement, il y avait une mobilisation bien évidemment symbolique, puisque l'art reste symbolique, mais en tout cas dans un sens qui puisse avoir une incidence, même si elle était la plus minime qu'elle puisse être. Et donc c'est ça qui était dans le fondement même de cette œuvre. Sur l'autre œuvre, je ne peux pas détailler, mais je vous expliquerai pourquoi ce million d'euros. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, alors c'est une question sur l'histoire de l'art en général, aux Caraïbes particulièrement, qui est une histoire très difficile d'accès quand on vit à Paris, et qui est censée être une ville cosmopolite. Et ma question, c'était, en faisant des recherches, etc., j'ai pu voir qu'il y avait certaines îles qui étaient beaucoup plus reconnues, où il y avait des artistes qui étaient beaucoup plus reconnus à l'international, en tout cas dans le monde occidental, que d'autres îles qui, artistiquement, sont presque absentes, que ce soit au niveau de la littérature, etc. Donc, si vous avez une réponse à ça. Alors là, vous parlez pour la période plus contemporaine, par exemple, ce qui vous pensez à quelqu'un en particulier ou... Je pensais à la Guadeloupe, en fait. D'accord. Où, par exemple, en Martinique, c'est vrai que artistiquement, même au niveau littéraire, il y a vraiment un mouvement qui est présent. Mmh. Et alors peut-être que c'est parce qu'il est, moins médiatisé ou en tout cas... on nous le montre moins en tous les cas, je ne sais pas, mais je le trouve plus absent. Alors malheureusement, je pense, si c'est ce que vous me demandez, je pense que je n'ai pas d'explication claire à ça. Je pensais évidemment du coup à un artiste guadeloupéen que j'aime beaucoup, mais qui vit, c'est encore... réducteur de voir qu'il vit à Paris de toute façon, mais enfin qui dans son œuvre même, Duncan, il a été pensionnaire à la Villa Médicis, enfin c'est un artiste tout à fait intéressant. D'une manière structurelle, malheureusement, je crois que je n'ai pas de réponse satisfaisante pour expliquer
une distinction entre les modalités de diffusion, parce que dans les deux cas, il y a quand même des organismes de diffusion de la culture. Malheureusement, je suis sans réponse. Mais, d'ailleurs, on peut quand même signaler que c'est en Guadeloupe que l'œuvre, enfin la collection d'art d'Edouard Glissant a été accueillie au Memorial Act. Ah oui. Hein. Peut-être que vous voulez pointer une réalité concernant ce qu'on appelle en fait aussi les espaces coloniaux et ce qui en a été produit sur le territoire français ou dans l'espace francophone. Hein, ça a à voir avec ce qu'on nomme l'espace postcolonial, les études postcoloniales et autres. C'est sûr que bon, on va pas maintenant faire un débat là-dessus, mais la réception est la partie liée avec la manière dont aussi l'espace du savoir pratique ses objets. Hein. Il est évident que c'est très difficile. On est très très peu sur le territoire français aujourd'hui dans ce que vous appelez l'histoire de l'art à appréhender ces objets je dirais avec l'attente qui se révèle tous les jours, hein. On se rend bien compte qu'il y a un grand grand nombre de jeunes gens qui frappent à la porte, hein. C'est un peu la phrase de Saïd, ils sont de plus en plus mal élevés de ce point de vue là et c'est formidable. Voilà, c'est formidable, voilà. Mais la mégastructure résiste. Parce qu'elle est là, quand même. Question. Au début de la conférence, vous avez parlé des liens d'Edouard Glissant avec les artistes, les critiques, etc. Et en termes d'histoire de la littérature, Edouard Glissant apparaît comme dans une génération, on va dire, de poètes qui ont beaucoup de liens avec le monde pictural, artistique, mais qui ne sont pas vraiment... liés à lui, je pense à Jacques Dupin, à Yves Bonnefoy, André Dubouchet, et je me demandais en fait si ces poètes-là ont un lien, ne serait-ce que de motivation, d'ambition au niveau critique d'art avec Edouard Glissant, ou s'il n'y a rien de commun entre ces artistes-là. Je crois qu'on peut répondre quand même qu'il y a eu un contexte de l'après-guerre où, effectivement, Edouard Glissant a été dans une constellation de poètes qui était liée à, par exemple, à Bonnefoy, à travers d'autres, hein, à travers, par exemple, Maurice Roche. Donc, toute une constellation de poètes comme Pichette, Laude, Paris, etc. On peut en citer Auster aussi, on peut en citer beaucoup, où finalement les relations se font par capillarité entre ces écrivains, ces poètes et puis ces artistes. Avec, il faut bien aussi, parce qu'il y a une explication qu'on peut toujours donner par, de manière intellectuelle et sensée et plaisante. Il faut voir aussi qu'il y a des hasards, qu'il y a des rencontres, qu'il y a des intérêts. La relation entre artiste et écrivain aussi est faite de sociologiquement aussi de, comment dirais-je, d'opportunités pour employer un langage un peu bourdieusien aussi pour occuper des champs. Voilà. Donc c'est pas du tout pour ramener, si vous voulez, les affinités intellectuelles à des stratégies, mais rappeler qu'au fond il y a des rencontres qui se font. À un moment donné, dans des situations historiques, sociales, artistiques singulières, quoi, voilà, qu'il y a aussi un effet de hasard, de rencontre, de déroute ou de reconnaissance. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Sur la question littéraire, j'ai trouvé assez intéressant. Comme Zahir Hamani a parlé du nouveau roman, parce que moi on j'aime l'a bien. Tellement blanchi le nouveau roman que oui. Voilà, il n'y a plus personne qui vient d'ailleurs. Quoi, mais inversement aussi, on a beaucoup noirci Edouard Glissant. Oui, d'accord. C'est-à-dire que Edouard Glissant est toujours référé à Césaire, Fanon, etc. Et il faut bien voir aussi qu'il est en relation avec Ségalène, avec Char, avec Faulkner, etc. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de dire aussi que voilà, on ne faut pas lire simplement Malmort comme voilà le texte antillais ou bien la littérature dite antillaise, mais que dans le contexte aussi de la littérature francophone, au même moment, il y a du nouveau roman, il y a le nouveau roman, et que Edouard Glissant, qui n'y est pas associé dans les manuels, voilà, on fait partie d'un travail aussi, n'est pas simplement assigné pour parler des assignations. Oui. Assigné à la littérature antillaise, martiniquaise, etc., mais qu'il écrit aussi à sa manière un nouveau roman. Hein. Ah, mais moi, lire Glissant, c'est faire écho à Duras, par exemple. Ça, je l'ai souvent fait. C'est,
Bon, voilà, il arrive. Moi, j'ai baigné dans cette lecture-là et glissant Beckett, ça me paraît évident. Oui. Vous voyez ? Pas à lui, je pense, mais. Non, mais je l'entends bien, mais je ça. Je crois qu'il n'aimait vraiment pas oui, Beckett. Non, moi, je ne veux pas. J'ai pas d'intimité avec Edouard oui, Glissant oui, là-dessus. Oui, oui. C'est oui. La manière dont ce que vous appelez le sec ou le pur. Les deux sont des personnes qui n'aiment pas le gras en littérature. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a du ressac et du mouvement que c'est une littérature grasse, la littérature de Glissant. Voilà. Oui. Mais oui, j'aime bien l'idée que ce sont quand même, pour la plupart des métèques, des gens qui ont traversé la littérature par cette expérience du déplacement. Oui. Bon, il y a beaucoup de métèques, de toute façon, chez les nouveaux romanciers. Nathalie Sarraute, c'est une métèque. Hein. Sarraute, pour la plupart, Le Clésio, Duras, la plupart sont des déplacés, en fait. Oui, oui, oui. S'il faut le dire comme ça. Et pour revenir à la question des rencontres, c'est rare, parce que je crois que, juste avant, quand on préparait cette soirée, je ne sais plus, je crois que c'est Zaya peut-être qui disait, oui, c'était vraiment beaucoup des réseaux d'amitié avec les artistes, c'était vraiment un cercle, moi je disais, bon, quelques cercles, différents cercles, voilà. Et moi, ce qui me frappait quand même, c'est bon, à la fois le fait qu'il était très lié à ses amis, à un certain type de peinture, pour lesquels, je ne sais pas, c'est générationnel, c'est tout générationnel, à fait, c'est générationnel, ouais. Et que peut-être qu'on surinterprète, par exemple, bon, quel lien y a-t-il entre la pensée d'Edouard Glissant et la peinture de Valério et d'Ami ? Personnellement, je ne vois pas trop, mais en même temps, ça n'empêche pas une relation très très forte et qu'il a écrit un très beau texte sur Valério Adami. Donc voilà. Alors, alors, quant à l'art contemporain, il y a un petit film qui est fait à l'occasion, un film d'Agnès B qui est fait à l'occasion de la Biennale. Alors, tu le trouves superbe, oui. C'est-à-dire que moi, ça m'amuse de voir un peu, mais en même temps, c'est positif. C'est-à-dire la curiosité d'Edouard Glissant à l'égard de choses qu'il ne comprend pas du tout. Je pense, mais c'est pas grave. C'est-à-dire autant il peut discuter. Voilà. Par exemple, je sais pas, on lui demande de faire un discours, donc il fait un discours. On voit qu'il essaye de demander d'être dans le performatif, comme tu disais. Il est dans le performatif, il fait des discours très intéressants sur ce que c'est que le nomadisme, la créolisation, le rhizome, etc. Quoi. Mais cela dit, je pense comme beaucoup, enfin, pas d'entre vous, mais d'entre moi, là, quand on se promène dans la Biennale de Venise aussi, on peut se dire, ouais. On essaie de chercher, encore comprendre, etc. Et donc, ce qui est quand même formidable, c'est la curiosité, cette curiosité qui l'a amené d'ailleurs à aussi avoir beaucoup d'affection et d'admiration pour le travail de Yann, qui n'est pas de Thomas, qui n'était pas du tout dans la filiation des œuvres qu'il appréciait, sur lesquelles il travaillait ou qu'il commentait. Il y avait donc une sorte de aussi de mise en pratique d'une certaine manière de la relation, de la rencontre, de, comme était rappelé tout à l'heure, de l'imprévu. Il y a de l'imprédictible, c'est toujours imprédictible. Et donc, il y a ce que je trouve aussi c'est formidable, c'est cette curiosité, quoi. C'est-à-dire, au fond, peu importe de ne pas comprendre, peu importe que ce ne soit pas transparent, ça peut rester opaque, mais il se passe quelque chose. Il y a de l'intérêt et de l'accueil du nouveau, quoi. Et ça, quand même, c'est une pratique individuelle, mais aussi intellectuelle, qui est typique, du rapport d'Edouard Glissant à l'art. Peut-être pas exactement à la littérature, là, pour le coup, mais en tout cas aux arts plastiques. Moi, une des appréhensions d'Alain Ménil, quand il s'est intéressé au travail de Glissant, c'était la manière dont, en France, le terme de métissage allait être exploité. Et puis même, il rappelait cette chose, il disait « il ne faut pas que ça devienne une valeur. Le métissage est un fait, ça ne peut pas être une valeur. » C'est important d'entendre cela. Et puis aussi, une chose qui est nécessaire à redire, c'est que Glissant, c'est d'abord quelqu'un qui se soucie du travail de la forme. La langue, le texte, c'est aussi quelque chose qui est mis en bouche, mais qui est... l'esthétique chez Glissant, c'est quand même un objet qui, par sa forme, répond de son sujet. Alors là, je suis peut-être sur ton terrain, parce que j'imagine bien que l'esthétique est quelque chose qui est... un souci majeur aussi en philosophie, mais je trouve qu'il y a chez Glissant une forme qui répond à un sujet. Oui, ben justement, je voulais qu'on revienne un petit peu un moment sur une chose qui a été dite, que je trouvais philosophique, en fait, qui était cette question de l'opacité, c'est-à-dire un moment où, en fait, il y
Il y a une résistance absolue à tout modèle, y compris le modèle anthropologique. Et donc, vous avez parlé de Duras, donc on retrouve cette question de l'opacité. Mais aussi, comment, en fait, philosophiquement, quelque chose pourrait être dit de ça aujourd'hui, pour vous ? J'ai dit cette phrase parce que, voilà, il le dit, je revendique le droit à l'opacité. Et bah, après, peut-être je vous laisse voilà, développer cela. Bon, il me semble quand même que l'opacité, elle est dite contre la transparence, hein, parce qu'il y a quand même des jeux un petit peu binaires dans sa manière de faire. Par exemple, l'un et le multiple, l'archipel, les continents, etc. Même si ça se complique, mais malgré tout, il y a quand même quelquefois l'océan, la mer Méditerranée, voilà. Il y a quelquefois des simplifications binaires. Bon, voilà. Et je pense que opacité, c'est dit contre transparence, c'est-à-dire contre l'idée de la clarté, l'idée de l'ordre. Les idées claires. Il y a quand même aussi une opposition très nette au rationalisme, que ce soit le rationalisme cartésien ou un rationalisme qui commence bien plus tôt dans l'histoire de la philosophie occidentale. Donc ça c'est l'opposition qui fait, pour lui, fait le lien entre la synthèse, le schématisme, la transparence. Voilà, il y a ces attaques à une certaine philosophie, une certaine tradition philosophique occidentale. À cela, il oppose quoi ? Mais il oppose pas l'irrationalité. Je crois pas. C'est pour ça qu'il choisit opacité et pas obscur. On sait qu'il y a des écrivains qui ont valorisé l'obscur, hein. Mais justement, obscur, bon, peut être du côté de l'obscurantisme. Et je crois pas qu'il y ait une valorisation de l'irrationnel. Mais en tout cas, une prise de distance vis-à-vis de la rationalisation des existants. Et donc, l'opacité, c'est aussi reconnaître que dans la relation, par exemple, il n'y a pas des éléments identifiés qui vont être en relation d'intersubjectivité, mais qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être réduit à, par exemple, la définition ontologique ou la définition sociologique ou la définition anthropologique des êtres qui sont mis en relation. Il y a quelque chose qui se passe et puis qui... n'est pas réductible, et donc c'est précisément pour ça qu'il y a l'imprévisible. Sans ça, on pourrait effectivement, c'est pour ça qu'il a aussi abandonné le terme de métissage. Il disait, voilà, métissage, on voit très bien, bon, un petit point noir, un petit point blanc, voilà, ça, on peut prédire ce qui arrive. Mais la créolisation, donc, elle procède de l'opacité, c'est-à-dire du fait que les éléments sont pas définis par eux-mêmes et que c'est la rencontre qui va elle-même définir les éléments. Les éléments de pré n'existe pas à la relation. Et cette indétermination, il y a un peu d'indétermination, permet justement de suivre les mouvements de la créolisation et de ne pas chercher tout de suite à en rendre compte rationnellement et à respecter justement cette imprévisibilité qui est le propre de l'opacité, quoi. Il me semble, philosophiquement. Mais tu peux, excuse-moi. Non, je trouve que c'est aussi l'espace de l'individu. Voilà, c'est l'espace de l'individu. Et il me semble aussi que, d'un point de vue pratique, être opaque, c'est intéressant. Aussi, voilà. Et tenter de l'être, c'est intéressant. Enfin, même si c'est un exercice qui peut être très court. Mais c'est l'espace de l'individu, c'est aussi l'espace de la solitude, c'est aussi l'espace du déplacement solitaire. Et pour revenir juste un petit mot sur la littérature, l'opacité, c'est la poésie. C'est quand même ça. Par rapport à la prose, la poésie, c'est l'opacité, me semble-t-il. Excuse-moi. Oui, j'avais été étonné une fois de justement cette relation à l'opacité. Il avait créé un lien direct avec un astre, avec la lune. En fait, il disait que la lune, il ne faut pas l'appréhender uniquement, évidemment, par sa face lumineuse, mais également par sa face cachée. Et donc il faut comprendre dans cette affirmation qu'il faut également prendre en compte la forme pleine de l'astre. Et donc il y a non seulement le secret de ce qui est dans l'obscurité au moment où finalement il n'est pas baigné de lumière, mais il faut également le comprendre dans ce qui le traverse. Et évidemment, il y a la question du secret et des zones obscures qui constituent chaque être et qui ne peuvent pas être
ignorée. Voilà. Et du coup, dans le rapport à l'existant, ne pas être toujours dans la compréhension. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Je ne sais plus, je crois que c'est dans la politique de la relation, il dit, voilà, il rappelle l'étymologie cum prehendere, comprendre, hein, prendre avec soi. Et il oppose à cela le donner avec. Hein. Bon, là aussi, c'est peut-être un peu binaire, quoi, mais au fond, voilà, c'est accepter l'opacité suppose de ne pas forcément chercher à comprendre et à rationaliser et accepter les choses telles qu'elles sont dans leur irréductibilité. Hein, et il faut l'accepter pour l'accompagner plutôt que la réduire à des formes, à des concepts, à une rationalité, à un ordre. Oui. Moi, j'aimerais demander à la salle si quelqu'un peut dire ce que veut dire le terme Shaban ou Sheban. Shaban. Non, mais en créole, en Guadeloupe. Shaban, donc ça s'écrit C-H-E-B-A-N, c'est ça ? Non, mais je dirais un mot à ce sujet, parce qu'en Afrique du Nord, on emploie le même terme pour parler de la personne âgée qui n'a plus de cheveux. Et j'ai lu ça en faisant un travail sur Akoma, en cherchant en fait ce qu'était l'Akoma, cet arbre. J'ai lu un papier où on prenait la figure de l'Akoma, ce grand arbre disparu, pour parler d'un homme politique, et on nommait le Shaban, et ça s'écrit exactement de la même manière qu'on le nomme en Afrique du Nord. J'ai trouvé ça incroyable, le voyage des langues, quoi. On dit exactement la même chose en Algérie. D'accord. Bon, oui, il y a encore une question, oui. Oui, c'est là. C'est ici. Monsieur. Oui, quelle était la portée d'Edouard Glissant concernant l'existentialisme de Jean-Paul Sartre? J'aime à rappeler que le premier poème d'Edouard Glissant est paru dans la revue de Sartre, Les Temps modernes, en 1948. Il avait même pas 20 ans, 19 ans, parce que c'était le numéro avant le 21 septembre. Pardon. Et donc, la relation était de sympathie, je crois. Voilà. Ensuite, bon, ceux qui travaillent un peu sur Glissant savent que Glissant n'était pas franchement sartrien et détestait la préface que Sartre avait faite à l'anthologie de la poésie noire et nègre et malgache de Senghor, cette préface qui s'appelle Orphée noir, et la récupération de la négritude au profit de l'émancipation du prolétariat, ça c'est quelque chose que il n'apprécie pas beaucoup. Voilà. Et donc, là, en fait, il n'y a pas eu de relation entre Sartre et Glissant. Et du point de vue des temps modernes, c'est plutôt Michel Léris qui permettait à Glissant d'être en relation avec entre guillemets, l'existentialisme, si ce mot-là a un sens, puisque de toute façon, Sartre ne l'assumait pas non plus. Voilà. Enfin bon, ça serait un autre chapitre. Si on terminait avec, je vais demander à mes trois invités de recommander ou d'indiquer une œuvre qui leur, de manière imprédictible, imprévue, je les prends au dépourvu, hein, une œuvre je leur demande de relier une œuvre à Edouard Glissant. Faulkner, Mississippi. Voilà. Introduction à la politique. D'accord. Pardon. L'introduction à la poétique du divers. C'est ça, hein, le titre exact, oui. Je ne me trompe pas, les années 90. L'homme à la colombe de Romain Gary. Rien à voir directement, mais beaucoup à voir pour moi. Merci. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clore la séance. Oui.